Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour nous d'entrer la caillou avec tout ça qui a dominé l'actualité football là. Nous avons commencé dans le pays l'Espagne avec le cas Ansu Fati qui t'a supposé quitter l'équipe FC Barcelone. Non? Toujours côté FC Barcelone, mais il y a Ronaldo Araujo lui-même qui est blessé et qui a passé plusieurs mois de haut terrain. Nous avons toujours été bon côté équipe Real de Madrid là avec Jonas Sa qui fait qu'on a un casting numéro 9 et Romelu Lukaku qui a rentré dans l'équipe Real de Madrid là. Nous parlons dans le pays d'Angleterre avec Jonas Sali même qui vini sous entraîneur féminine équipe anglaise là qui reprend les rênes de l'équipe masculine également. Bon côté Paligien, Jonas Sali même qui vini sous le cas de Silva qui t'a supposé renouveler contrat avec l'équipe Manchester City. Là. Nous parlons dans le pays l'Italie avec Jonas Sali qui fait connaître que Ebiguin entraîneur ça qui prend les rênes de sélection Squadra Azzurra. Nous voulons parler de sélection italienne. Là. Nous pourrions aller également dans le pays Portugal avec Jonas Sa qui vient sous Mercato et plusieurs joueurs qui t'a supposé rejoindre l'équipe Sporting. Et bon côté par joueur ça qui t'a supposé rejoindre l'équipe FC Porto. C'est une vidéo qui vient pratiquement tout ça qui a dominé l'actualité football. Là, nous tournons après pause là pour plus de détails. Donc, commencez la vue de presse là dans le pays l'Italie avec Jonas Sali même qui c'est Gazzetta dello Sport qui fait connaître l'Italie de Spalletti. En effet, Luciano Spalletti lui-même, ancien coach équipe Napoli, a demain si Dieu veut selon Jonas Sali, après une annonce officielle pour qu'il officialise notre tête sélection italienne. Non? Il y a un qui vient remplacer Mancini dans l'équipe si là, mais définitivement Jonas Sali fait connaître c'est l'Italie de Spalletti. Et toujours dans le pays l'Italie, il y a un journal Tutto Sport lui-même qui vient sous international français qui a joué dans Bayern de Munich. Nous voulons parler de Benjamin Pavard puisque le journal a fait connaître que Inter vraiment intéressé avec international français. Il y a un qui pourrait faire une offre de 30 millions d'euros avec l'équipe Bayern Napoli. Mais désormais, le joueur a supposé accepter pour venir jouer dans l'équipe Inter là, et l'équipe Bayern a supposé accepter l'offre là. Et bon côté par les journal Papier Rose, il vient avec un autre montant. Mais il fait quand même connaître que Inter c'est déjà Pavard. Mais il fait connaître que l'équipe Inter là qui t'a déjà joué une entente avec l'équipe bavaroise là sous 25 millions d'euros pour international français. Le journal Mercato, nous parlons avec le journal Corriere dello Sport qui fait connaître que l'offre pour Berardi est montée à 20 millions d'euros. En effet, la Juventus est vraiment intéressée avec le joueur équipe Sassuolo, mais Sassuolo lui-même qui ne veut pas pour plus petit que 35 millions d'euros. Le journal là tout qui fait connaître que en attendant, Allegri lui-même qui a prétendu Lukaku dans l'équipe Juventus de Turin. Hein? Mais je n'en ai tout qui vient avec une autre information intéressante pour faire connaître que l'équipe qui est vraiment intéressée, l'équipe AS Roma. AS Roma est intéressé avec international français au cas où l'équipe Atalanta a bloqué Zapata. Nous prenons les couilles dans le pays d'Angleterre avec le journal Daily Mirror lui-même qui vient avec une information pour faire connaître que Wegman est capable de reprendre la sélection masculine anglaise là. Et bien, la fédération anglaise là qui déjà a pensé pour remplacer Gareth Southgate avec Wegman lui-même qui a entraîné actuellement sélection féminine. Là. Si Wegman bon côté parle, il a fait un succès avec sélection féminine puisqu'il qualifié pour finale là. Et bien, le journal Daily Star fait qu'on est aujourd'hui assez la barrière ouverte pour l'équipe là lui-même qui a remplacé Southgate par Wegman. Une information qui est confirmée par le journal Sali même qui fait qu'on est que un heureux remplaçant de Southgate, est-ce que c'est Sarina? Le journal a fait qu'on est que au cas où que Dame Nalienita voulait prendre job là, job ça déjà assuré pour lui pour Carabine assurer tête sélection masculine. Dans mercredi, il y a l'équipe Citizen dans lui-même qui est arrivé gagner la Super Coupe UEFA au dépend de l'équipe FC Sevilla sous tir au but. Côté match, ça a terminé, il y a un goal partout. Le journal là, lui-même, c'est Manchester Evening News. Dans jeudi, il était déclaré les Super Blues. En effet, l'équipe Citizen qui a remporté la Ligue des Champions et Kounia qui a remporté la Super Coupe UEFA. Et bien, je dis à l'équipe journal Manchester Evening News, il vient avec l'autre information pour faire connaître que c'est plus Silva dans l'équipe Manchester City. En effet, c'est international portugais a été annoncé un peu partout, notamment bon côté équipe FC Barcelone. Et bien, il y a un journal ça qui fait connaître que Silva t'a supposé renouveler contrat jusqu'à 2026 avec les Citizen. Et mes amis football, juste avant que nous venions plus loin, nous avons invité pour que mettre un like en bas de la vidéo pour qu'on fasse ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube là avec page Facebook là, c'est la seule façon pour que vous puissiez là pour vivre plus loin que possible. Un gros merci spécial avec tout le monde qui est déjà abonné et tout le monde qui continue à partager le travail ça. Nous parlons de Kounia dans le pays Portugal avec le journal Record qui vient avec Fresneda lui-même qui est vraiment intéressé l'équipe Sporting de Lisbonne. Non? Le journal a fait connaître que promesse espagnole lui-même qui a coûté entre 12 à 15 millions d'euros gagne en pile concurrence puisque Arsenal, Barcelone et Real de Madrid intéressés avec joueur là.
Et c'est même information ça qui véhicule dans le journal Abola qui fait connaître que le Lyon attaque Fresneda. Mais journal là qui fait connaître tout club espagnol là en parlant de Valladolid, lui demander 16 millions d'euros pour jeune crack ça lui-même qui gagne 18 ans. Et bon, côté parler l'autre latéral capable débarquer une équipe FC Porto puisque journal Ojogo lui fait connaître que mexicain lui-même qui est le Sanchez qui a joué l'équipe Ajax ça t'a supposé fermer avec équipe FC Porto. Une contratation de latéral ça lui-même qui t'a supposé faite après match face avec Farense dans le championnat portugais. Et Sanchez bon côté parle, il est content avec possibilité pour qu'il aille jouer dans le pays Portugal. Nous parlons qu'on a dans le pays l'Argentine avec journal Olé lui-même qui finit avec la vie de couleur de riz pour Lionel Messi qui était passé en conférence de presse tout juste avant finale que Inter Miami pour jouer avec Nashville. Le journal a fait connaître que Lionel Messi qui déclaré vraiment content côté les Jodia. Il est vraiment à prendre plaisir dans le football et surtout lui entouré de Latinos. Le journal l'a fait connaître que Lionel Messi qui est vraiment motivé pour qu'il remporte 44e trophée dans la carrière. Si le journal lui-même n'est pas révélé ça, mais Lionel Messi qui t'est fait connaître tout, il n'est pas jamais quitté l'équipe FC Barcelone. Donc, allez dans l'équipe Paris si jamais c'était sans volonté. On continue dans le pays l'Espagne avec Journal Sport lui-même qui fait qu'on est dans Real de Madrid qui a un casting pour numéro 9 là. Le journal a fait qu'on est que sans Mbappé, qu'il y a qui laisse qui méritait pour capoter dos à 9 Karim Benzema. Et le journal là qui allait plus loin pour le faire qu'on est que Ancelotti qui a pensé avec Lukaku. International belge là qui t'a voulu pour joindre un nouveau horizon qui a pensé également avec l'équipe Juventus de Turin. Mais Real de Madrid a commencé à penser avec lui pour renforcer l'attaque là. Mais journal là tout qui vient avec un autre dossier en défense puisque militant qui blessé et mes journal là qui fait connaître que équipe Real de Madrid là qui a pensé avec Aymeric Laporte ou du moins Marvel pour remplacer militant. Bref, et bien équipe Real de Madrid là qui en chantier pendant mercato aussi là. On toujours été dans le pays l'Espagne avec journal AS qui vient avec trois informations. Première qui concernait équipe Real de Madrid là pour le faire connaître que Lounine va gagner plus opportunités. International ukrainien lui-même qui parle bien pour jouer titulaire face avec équipe Almeria et Kepa qui fraîchement rejoint équipe Real de Madrid là t'a supposé jouer face avec Celta de Vigo. Et journal là tout qui vient avec une mauvaise nouvelle pour FC Barcelone puisque le fait qu'on est que Araujo lui-même qui cabrete yon mois de terrain après blessure qu'il te recevoir. Le journal là tout qui vient avec une information mercato pour équipe Barcelone puisque le fait qu'on est que Deco qui vraiment intéressé pour faire João Félix rejoindre équipe FC Barcelone. International portugais pour rappel qui voulait quitter l'équipe Atlético de Madrid là. Tout ce dossier FC Barcelone, journal Mundo Deportivo qui mettait à la une Araujo pour faire jeu de moi avec mon Araujo pour faire connaître KO pour international uruguayen. Sur un journal ça, c'est une blessure dans le biceps fémoral et bien il n'y a pas raté match face avec Cadiz, Villarreal et Osasuna. Mais après plusieurs nouvelles sous dossier Ansu Fati, journal Sport lui-même qui vient traiter Kassa pour mettre à la une le cas Ansu. Barcelonien qui prêt et qui déjà ouvri avec yon prêt de joueur dans n'importe club qui t'a voulu si joueur limite ouvri porte de sortie. Et Fatih même qui déjà connaît clair que li pap titulaire dans l'équipe FC Barcelone mais li vle pour qu'il toujours joué de options que cap bali dans club Blaugrana. Et en sous partie qui vient perdre place toujours sur tout journal Les Sportifs, li fait connaître que Lamine c'est un joueur qui monte en puissance qui cap vient remplacer Rafinha, Ansu, Abde ou bien Ferran Torres. Avec Rafinha qui te prend un carton rouge, eh bien Lamine lui-même lui passe devant Ansu Fati Abde avec Ferran Torres pour remplacer international brésilien. Et nous avons terminé la revue de presse avec une information mercato puisque il y a un joueur ça qui a joué dans Dynamo Moscou. Nous voulons parler de Zakarian qui t'a supposé rejoindre l'équipe Real Sociedad là. On l'a fait qu'on est malgré difficulté qui gagne avec un pays la Russie pour capable fonctionner. Et mais désormais joueur ça qui t'a supposé rejoindre San Sebastian dans la semaine qui a venu là. C'est un plaisir fanatique football pour te porter tout ça qui a dominé l'actualité pour songer pour partager vidéo ça au maximum. Quant à nous, on a rendez-vous lundi 6 juillet pour notre revue de presse.